Ils sont là, dans la montagne, seuls au monde. Ils ont gravi les sentiers, main dans la main. Leurs cœurs battent avec une intensité nouvelle. Ils sont le dernier rempart entre le ciel et la terre. Le monde semble loin. Il n'y a plus d'hier ni de demain. Il n'y a qu'eux. Mais qui sont-ils ? Bienvenue au château de l'Aumônerie. Nous vous remercions d'avoir répondu présent pour célébrer en cette douce journée le mariage d'Amélie et Jason. Une Amélie dans sa vie, ça se voit, ça se vit, ça se chante et ça se danse. Nous nous sommes rencontrés sur les bancs du lycée. De la jeune demoiselle qui recherche un mec mortel, je t'ai vu te transformer en une femme déterminée, inspirante et toujours autant sensible. Je dois du coup vous avouer qu'en fait Amélie c'est 365 jours de bonheur par an. C'est mon rayon de soleil préféré pour attaquer et déglinguer n'importe quelle journée. Toi, tu mets en lumière tous tes proches. En ce jour et pour une fois, tu nous laisseras faire un pas en arrière pour te laisser devant l'objectif. Et nous voilà, 14 ans plus tard, pour le plus beau jour de ta vie. Si tu pouvais déplacer des montagnes, tu le ferais. Tu te contentes de les escalader avec ton partenaire de voyage, Jazou. Tu es droit avec ta famille, tes amis, tes idées, mais surtout droit avec tes valeurs. Mais celle qui te va le mieux, c'est celle du partage. Car oui, pour toi, le bonheur se trouve dans les choses simples. C'est ce qui fait aujourd'hui notre belle relation si spéciale et fraternelle que nous avons tous les deux. Je t'ai vu grandir, changer, évoluer. Et qu'est-ce que je suis fière de toi. Je suis fière de l'homme que tu deviens. Vous voulez contempler ces montagnes sublimes, vous galérez, vous râlez, mais vous arrivez toujours au sommet, quelles que soient les embûches. Tout ce qu'on avait construit ensemble nous a rendus plus forts. Amélie, c'est ma joie de vivre. Et je vous jure, ça vous emporte dans un tourbillon, elle vous fait vibrer. Alors aujourd'hui, oui, je suis heureux de te promettre de t'aimer, d'être à tes côtés, de t'écouter. Ils savent qu'ils ne sont que de passage. Ils savent que lorsqu'ils redescendront, le monde leur semblera différent. Ils ne seront plus seuls. Bah, la plus belle de toutes leurs victoires. C'est quand même de nous avoir tous réunis pour célébrer leur amour. Vous avez su vous entourer de proches à votre image. Sans vous, toutes ces âmes n'auraient jamais eu l'opportunité de se rencontrer et de partager de si précieux moments. Depuis longtemps, mon Jason, maintenant toi, Amélie, vous n'êtes pas seulement des amis, vous êtes la famille qu'on a choisie. Merci d'avoir créé cette grande famille qu'il y a autour de vous, qui vous aime, et merci ma sœur de m'avoir offert un frère. Je voudrais avoir une pensée pour ton grand-père. Toi qui espérais tellement qu'il soit là aujourd'hui. Toi qui attaches beaucoup d'importance au mot famille. On vous aime fort et surtout, foutez le bordel.
positive dans n'importe quelle version de la réalité, tu serais ma moitié, sans laquelle je ne pourrais exister. Sache que je suis vraiment impatiente de gravir plein d'autres montagnes avec toi. Et d'explorer le monde avec notre Titou. Veillez à ce que chaque jour soit une nouvelle aventure. Tout comme l'amour, la montagne est exigeante. Elle demande patience et persévérance. Elle enseigne la force du lien, celle qui grandit avec le temps et l'expérience. Celle qui ne s'effrite pas face aux tempêtes.